Cette formation régionale sur la supervision de soutien a été organisée pour assurer une meilleure prise en charge de la malformation congénitale des membres inférieurs. Il s'agit du pied bot qui touche les enfants de 0 à 5 ans. Durant 2 jours, les participants vont acquérir des connaissances nécessaires pour mener à bien leur mission de supervision au niveau des centres de santé afin d'améliorer les indicateurs de performance des données et corriger cette malformation. L'objectif de cette formation, c'est pour l'amélioration des indicateurs de performance. Parce que tout ce que vous avez vu là, les prestataires, nous appelons des prestataires, ce sont des formateurs qui donnent la formation à ceux qui veulent travailler et appliquer le traitement pied bot. La méthode Ponseti, on ne peut pas l'appliquer sans formation. Pendant qu'ils ont été formés, et Miraclefit a pensé qu'il doit avoir la qualité dans les indicateurs de performance. Cette formation des formateurs vient à point nommé renforcer les capacités de ces prestataires dans la mise en œuvre efficiente de la méthode Ponseti. Renforcement de compétences des prestataires qui viennent de 6 pays. Après chaque formation, les formateurs ou les superviseurs doivent faire des suivis auprès de chaque clinique pour assister, pour aider les prestataires à améliorer leurs compétences dans la prise en charge du traitement du pied bot par méthode Ponseti. Les notions destinées à ces prestataires permettront à ces derniers d'accomplir leur mission à bon escient. À travers cette formation, nous aurons encore les capacités qu'il faut pour pouvoir gérer les prestataires qui sont dans les autres centres PIEBO, nous permettre de mener à bien nos missions sur le terrain. À travers ce rendez-vous du savoir lié au PIEBO, l'Association au développement de la réadaptation et le bien-être, en partenariat avec Miraclefit, met à la disposition des superviseurs des outils adéquats pour mieux organiser des visites au niveau des centres de prise en charge de cette pathologie.